Wesh! Comment ça se passe ici? Pour ma part à moi, ça va tranquille? Pour votre part à vous? Tiens, comment ça va vous? On vous le demande si peu de nos jours. C'est fou ça. Bref, aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'il y a un truc là. Mademoiselle, madame, qui m'a demandé de vous donner des conseils pour la rentrée. Non mais qu'est-ce que t'as fait là? On t'a jamais dit de venir? Bah ouais. Oh, elle est folle elle. Bref, où j'en étais-je? Ah oui, donc je m'appelle Christopher, j'ai 26 ans et demi et quelques mois. Dans la vie, je suis... En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, je donne du baume au cœur aux gens. Et parfois, je donne des petits conseils de la vie qui nous auraient échappé, par exemple. Du coup, commençons ces astuces pour la rentrée. Eh, d'ailleurs, j'annonce la couleur de suite. Je fais pas tuto make-up et tout ce qui s'ensuit, là. Moi, je donne des conseils pour que dès le début de l'année... Ça charbonne, tu vois. Vous êtes sur la même longueur d'angle ou bien? Bon, pour ceci, je vais vous donner 5 conseils ustensiles et pratiques pour commencer la rentrée bien comme il faut. Petit 1, il faut pas aller en cours. Aïe mes abdos. Je suis sûr que je vous ai tué derrière votre poste. Ma foi. En faisant un tantinet plus sérieux. Première règle, il faut trouver un bon cycle de sommeil. Le mercredi soir, comme ça, le jeudi soir, soirée étudiante, on pète tout le bordel. Tu t'imagines passer le jeudi soir comme ça sur ton canapé, hein? Je vous le demande, mesdames et mesdames. Petit 2, achète-toi un agenda. Mais pas pour noter les devoirs, mais pour cocher les cases du calendrier, là. Chaque jour, t'as l'impression de te rapprocher de la fin, mon frère. C'est trop bien. Franchement, que demande le peuple? Ça fait du bien. Tel le calendrier de lavande. C'est un délice de sensation. C'est un délice. Petit 3, je te conseille des bouchons d'oreilles. Pourquoi, me diriez-vous? Je vous le pose la question. Non, vous me posez la question. Pour éviter que le putain de prof de techno, il gueule dans les oreilles de bon matin, là. Ouais, t'as pas fait la soudure, ceci. Ouais, t'as pas tapé ton texte sur Word Express correctement. Wesh, ça va, y'a moyen que tu casses pas les oreilles comme ça? Y'a des gens, ils ont besoin de rattraper leur nuit, aussi. Vénère, les gars, comme ça. Non, je dirais même pire. Ça me met en rogne. Et ça, c'est pas cool, dites. Parce que vas-y, pour me mettre en rogne à moi. Petit 4, calme nos vardeurs, je vais vous mettre dans la confidence pour celui-ci. Si tu gères bien la cantinière, tu peux avoir du rap de ouf. Mais pas en mode nanani, nanana, je peux avoir des quenelles parfaits, je peux avoir des pattes par là. Elle va capter, elles sont plus malines que ça les cantinières. Croyez-moi dans l'expérience. L'expérience. Petit 5, et ce sera le point culminant. Et de tous les conseils que je vous aurai donné de mon plein gré. Ne jamais insulter la CPE, moi je l'ai fait 40 fois cette connerie. Ma mère elle m'a défoncé, wesh, je savais même plus où j'habitais. Je me rappelle, elle venait à coups de grandes enjambées comme ceci. Ouais, tu viens à la maison, on va voir ce qui va se passer. Oh, c'était un supplice. C'est trop traumatisant. Wesh. Petit 6, Ah, y'a pas de petit 6, y'a que 5 conseils, je vous l'ai dit, commencez pas à gratter, vous essayez de m'entourlouper là derrière. Ah, n'importe quoi. Ah, bon délire. Bon, eh ben, qu'est-ce que j'ai bien à vous dire de plus? Profitez de tout ce que je vous ai dit. Je vous le donne gratuitement. Et bonne rentrée, bonne année scolaire. Restez branchés, restez frais, restez authentiques surtout. C'est la clé de la réussite. Et le succès fera le reste pour le coup. Bonjour. On a tous déjà croisé autour de nous quelqu'un qui a tout plaqué pour vivre ses rêves. Moi, je trouve ça trop cool. Et j'aimerais vous dire, et si cette personne...